Hey bande de PGM amateurs, comment ça frague? Moi ça va tranquille, là, je me suis fait une petite boucherie sur Halo 5, hein, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on est donc là pour un nouveau clip shot les gens. Et du coup, si vous avez bien tout compris notre fonctionnement, et là il y a intérêt hein, parce que ça commence à faire un petit moment hein, qu'on a démarré le truc. Donc si vous avez toujours pas compris, franchement, je peux plus rien pour vous. Donc vous avez vu récemment le clip shot sur Halo 4, et donc aujourd'hui, on fait celui sur Halo 5. Donc aujourd'hui, il aura pour titre le 5e boucher. Alors pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? C'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Alors tout simplement, le 5e, bah on est sur Halo 5 là, tout simplement. Et boucher, parce que à mon avis, il va y avoir droit à deux ou trois petites boucheries, hein. Deux ou trois petites boucheries, hein. Je vous en dis pas plus, je vous en dis pas plus. Il y a les noms qui sont affichés à l'écran, et on va pas tarder plus. C'est parti! Et on commence donc avec un oubli qui est sur Halo 5 justement, donc il a son tir à Icon, il se fait un petit premier frag. Bon il va pas plus loin, mais il sort le marteau, il voit deux mecs qui lui arrivent dessus, il se fait la folie meurtrière, il switch avec le Raigun pour le double frag. Allez, il veut pas s'arrêter là, donc il voit le troisième, il lui met, bon c'est pas une bouche mais quand même, il continue, il s'arrête pas là, le à la chaîne. Allez c'est pas fini, il voit le quatrième, il sort le marteau et il fonce dessus et non. Non, malheureusement ça sera pas tout de suite la boucherie, mais vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. On continue avec Bouclement qui est avec son sniper, et en général, comment dire, vous les aimez bien les clips sniper. Donc aujourd'hui, on va pas se priver. Allez, il voit le premier, il le fait en deux coups. Le deuxième, très petite fenêtre de tir, mais il y arrive quand même. Le troisième, limite en quick shot. Allez, c'est propre, il s'arrête pas là. Il voit le à la chaîne, et attention, la quelle tuerie. Bien joué, franchement, ça aura pas été plus loin, mais tout de même, on se remet de ça au ralenti, le dernier frag, franchement, très joli. GG à toi. On continue avec Max la menace, donc lui aussi il est avec un sniper mais cette fois-ci Covenant. Donc il voit le premier, bon la fenêtre de tir était pas assez grande pour le toucher, mais tout de même il va commencer directement avec un petit frag à l'autre bout de la map. Un deuxième pour faire plaisir, le troisième en plus une bouche, franchement ça fait plaisir. Allez il veut pas s'arrêter là, il voit le quatrième et enfin le dernier pour la tuerie encore une fois. Franchement GG, il aura pas le dernier mais GG tout de même, ça fait plaisir. On poursuit avec Max la menace, donc lui il est avec son Magnum, il envoie déjà deux à l'autre bout de la map. Bon je l'ai fait tranquillement hein, franchement il est easy faut le dire. Ensuite il voit une petite grenade exploser, donc il se dit je vais y aller. Et là il se fait le triple frag et le à la chaîne, parce qu'il est généreux lui. Il voit des mecs comme ça, et ben il se les fait tout simplement. Il continue, il est à la tuerie les gens, et attention, attention, attention. Boum, la grenade pour la boucherie. Cette fois-ci ça y est, je dis oui. On continue avec Electropod, donc lui il est avec son plasma sur le 5. Et il faut dire un truc, elle fait mal cette arme, il va pas s'en priver. Allez, il voit le premier, il se le fait tranquillou pépère. Le deuxième avec le pompe forerunner, c'est pareil, il fait pas de détails. Le prochain qui a le sniper, il se le fait pour le trip. Il prend le Nand, il voit le mec en face sur la rampe. Petit quick shot, il continue, il se fait la calturie. Et attention, la boucherie. Bien joué à toi. Bon, c'était du Nand, mais tout de même ça fait plaisir parce que c'était propre. Allez, on termine avec un oubli, donc lui il est avec son Rocket. Lui aussi il va pas faire dans le détail hein. Allez, il voit le premier, il se le fait. C'était un double en plus, le triple frag. Il se fait plaisir, il envoie des roquettes. Il continue, il y en a encore un qui se cachait là. Ah, ça fait la tuerie pour le massacre en plus les gens. Et attention, la boucherie. Ouh, eh les gens, vous envoyez trop du lourd hein. Franchement, là c'est un petit peu dur de commenter hein. Moi j'ai pas le temps de tout lire. Tout ce que je peux dire, c'est GG les gars, parce que... Ouais, franchement, vous avez envoyé du lourd, hein. Bon, vous avez des armes lourdes aussi. Il faut le dire. Il faut le dire que ça peut aider de temps en temps. Mais là, franchement, ah, ça fait plaisir. Et donc voilà, c'est tout pour ce clip shot. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était celui sur Halo 5. Et franchement, les gens, j'ai envie de dire, profitez-en. Ouais, profitez-en, parce que c'est l'avant-dernier. Il y en aura encore un, mais juste après ça, ça sera à peu près terminé, hein, la petite opération sur on remet les bases, hein. Mais bon, allez, je vous fais pas inquiéter plus longtemps, bien sûr qu'il y aura des clip shots après. Mais tout de même, profitez-en. Allez, d'ici là, vous pouvez encore et toujours nous envoyer vos clips via le formulaire qui est dans la description. Vous pouvez également optionnellement regarder les deux dernières vidéos, vous abonner, blablabla, vous connaissez la musique, hein, je vais pas vous la chanter toutes les fois. Et puis voilà, moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, et ce sera un... À la prochaine, tout le monde !